Si c'est moi qui dis ou pas quoi, eh bien, je vais faire entendre déclaration. Sénateur Joseph Lambert, actuel président du Sénat, eh bien, monsieur crasé pays à la, et monsieur fait un pile gros déclaration que nous allons inviter au temps de, sans perdre du temps, parce que, dans la question assassinat président Jovenel Moïse là, eh bien, sénateur Joseph Lambert parle causé, et nous allons faire autant de. Et puis, dans le dossier, Fritan Alphonse Jean, qui lui-même était, eh bien, élu président dans la question accord Montana, ensemble avec un ancien sénateur, Steven Benoit, comme premier ministre, en tout cas. Bagay ça a passé en bas pied selon ça Joseph Lambert fait qu'on est eh bien monsieur a joué là pour celui même qui ta président provisoire pays d'Haïti Ariel Henry ta doué à le 7 février qui se passe là 2022 a, et monsieur parlé je dis a déjà 11 eh bien sénateur Lambert a joué Jean là à gauche à droite pour voir comment l'Itaka eh bien prend la maillette pays a pour continuer eh bien diriger pays ça après le sorti nan et président Sénat, eh bien, monsieur Pralé comme président provisoire là. Est-ce que sénateur Lambert a réussi? Personne beaucoup connaît. Et c'est toute information ça, on nous pote dans la vidéo ça, parce que sénateur Lambert bail causé. Et monsieur fini avec la vie Ariel Henry, l'actuel premier ministre du pays. Restez connecté sur vidéo, pas oublier ou sous TV la caille. C'est toujours avec même plaisir pour nous rejoindre nous pour une nouvelle vidéo. Donc, exercice là pour nouvelle. Donc, tout le monde bien branché. Nous allons recevoir invité que nous gagnons là avec nous. De Gaulle va vérifier avant pour nous. Pour nous aussi inviter à là. S'il pas là pour nous capable inviter à là. Bon, ok. Bon, ouais. Sénateur Lambert, comment y est? Est-ce que là? Et puis, il faut profiter de ça. Saluer le PDG. Mmh. Je veux parler de Gary Tepochal qui malheureusement n'est pas au studio. Et puis, il m'a salué Val, que je m'attends des voiles là. Et comment est la sénateur qui ont un pays, qui ont un parlement, qui ont un sénat? Bon, moi, je suis un vocable que M. Joël nous entendu, qui est sénat. Et c'est un vocable qui n'est pas approprié, mais comme c'est le tiers restant du sénat, parce qu'il n'y a pas eu d'élection, eh bien, je préside l'institution qui est le Sénat de la République, représenté par 10 sénateurs légitimes. Et ça va bien au niveau du Sénat de la République. Bon écho dans le studio. Hein. Merci. Merci. Bon, je vais répéter encore, s'il vous plaît. C'était encore une question. Oui, allô? Oui, oui, ça. Ça va mieux, ça va mieux. Eh bien, on est à l'image du pays, et on fonctionne tant bien que mal, et on a fait de notre mieux pour essayer d'améliorer ce qu'on peut améliorer, de corriger ce qu'on peut corriger, et d'avancer avec tout cela qui, je vous l'ai dit, a pensé, peut animer d'un esprit positif, peut avancer. Parce que tout à l'heure, là, je t'entendais où, et me prend plaisir pour m'entendre où. Côté, monde toujours à chercher la voie de la facilité pour imputer la responsabilité à X, à Y, à Z, imputer la responsabilité à Ariel, tout comme imputer la responsabilité aussi au pouvoir législatif qui aujourd'hui est dysfonctionnel. Imputer responsabilité en pouvoir judiciaire qui joue aujourd'hui à non presque à pacifier. Nous face en réalité. De la même façon que nous sommes tantôt très critiques envers des parlementaires. Et nous retournons sous ça. Parce que même autant que la map toujours prend la défense des parlementaires dans les limites de ma capacité personnelle. Et mais c'est son bon exercice, son exercice démocratique. Tout comme on entend parler de parlementaires. Tout comme on entend parler de parlementaires. S'il vous plaît, on peut baisser le volume, augmenter, s'il vous plaît. Tout comme on peut parler de bons parlementaires, on entend dire, ah, il y a des parlementaires qui sont positifs.
Tout comme on entend aussi gain des nèg qui négatif. Ça dépend côté mon dans situé li et qui point de vue et qui compréhension de situation. Tout comme on sait dire aussi que ça c'est un bon juge. Il y a d'autres qui disent ah ça sont mauvais juges. C'est sa compréhension de la réalité, sa compréhension personnelle. Et tout comme on peut dire aussi qu'il y a de bons dirigeants au niveau de d'un gouvernement. Mm-hmm. Bon, et où se dit que nous là, vous m'excusez, et nous avons fonctionné. Excusez, une seconde. Et même d'abord, vous pouvez expliquer nous et qui ça nous fait en bas, puisque nous connaissons le Parlement, son régime d'assemblée, et nous devons gagner un quorum pour nous capables de fonctionner. Et nous avons une possibilité pour nous gagner un quorum et pour le Sénat lui-même, et également la Chambre des députés qui n'est pas là. Et qui vient nous fonctionner même, l'ordre, nous là, nous fonctionner. Qui vient nous fonctionner? Ça nous fait. Beaucoup de films qui le pensaient. Pourquoi film qui le pensaient, mais après ça, on va questionner sur le mode de fonctionnement et autres, etc. Je voulais dire que de la même façon que nous connaissons en monde qu'on critique envers X, Y, Z, parlementaire, ministre et autres, etc., même quand on est tous des confrères, pareil, qui dit tout, et bien, des journalistes tout, qui a coûté pays à un problème. Donc. Parce que il n'y a pas. Météo dans la dimension journaliste, Jean-Otard Doué, pour faire équilibre tout bon vrai, etc. Mais, Mabdeo, c'est une compréhension globale de situation pays hein, qui fait que le monde est capable d'essayer de porter un raisonnement, son forme ou bien son l'autre. Bref, avec dit que pays a un problème, tout compartiment pays a un problème, la presse a un problème, bal, et l'exécutif a un problème, législatif a un problème. Bal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de corriger ce qu'on peut corriger et améliorer ce qu'on peut améliorer. C'est dans ce stade-là que je vous dis, nous y est. Et c'est ça que fait, mon frère, que la contradiction qui a traversé nos jours, eh bien, sont bons bagages liés pour la démocratie. C'est lui-même qui va le permettre que nous sommes capables de confronter l'idée nous jours avec l'autre pour nous capables de voir qui ça nous a fait. Pour le Sénat de la République, je ne crois pas que son secret que dit pour personne. Le Parlement fonctionne avec uniquement le Sénat amputé de 2/3. La Chambre des députés pas là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le pouvoir législatif est en situation de dysfonctionnement. Tout comme le pouvoir exécutif lui-même lui handicapé. Et où joindre un pouvoir judiciaire qui est bancal. Sur la base de ensemble considération, ça, les trois piliers, les trois grands pouvoirs de l'État, à partir desquels on est capable d'exercer souveraineté, eh bien, il y a chaque handicapé, il y a chaque bon problème à un niveau ou à un autre. Et c'est pour cette raison qu'au niveau du Sénat, nous avions compris, et moi j'ai compris ça très 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 tôt, depuis déjà 2 ans ou 3 ans, je ne faisais qu'attirer l'attention de plus d'un, et plus particulièrement l'exécutif, sur la nécessité d'engager un dialogue permanent avec tous les secteurs, toutes les forces vives de la nation, pour nous essayer d'éviter le pire. Je ne vous dis pas, nous n'en stade ça. En tant que dirigeant, je n'ai pas à me plaindre pour me dire ça, c'est ma, ça, ce n'est pas ma faute, ça, c'est la faute de X, ça, c'est la faute de Y. Je ne fais que encourager l'ensemble des secteurs, et plus particulièrement la société civile, les politiques, les forces morales et autres, etc., à engager dans des consultations en vue de trouver le consensus nécessaire pour nous permettre pays à retourner à la normalité institutionnelle. Voilà, c'est ma compréhension de la situation, et c'est dans cette démarche que le Sénat, je ne veux dire, l'y inscrit. Je ne veux dire, Sénat, tant qu'on dit tout à l'heure, c'est à dire jouer le rôle à faire loi. Bon, même lorsque nous avons dit, nous avons fait une loi, nous avons fait X, ou bien nous avons exercer un contrôle avec pouvoir de rétention, bien de répression, et autres, etc., vis-à-vis de X, Y, Z, qui a contrôlé l'agent d'État, retenons ceci. Un, Sénat n'est pas capable de faire loi parce que non seulement il n'y a pas de majorité. Et deuxièmement, on loi pour loi pour que les passer dans les mêmes conditions, dans les deux branches du Parlement.
Ça veut dire que oublier question ça là, le rôle premier dévolu au Parlement. Deuxième rôle, le pouvoir de contrôle. Comment contrôler quand vous n'avez pas, comment contrôler effectivement, comment contrôler véritablement, sinon que dénoncer ou attirer l'attention et faire pression pour corriger, si je ne vous dis pas ou pas gagner en capacité de rétorsion vis-à-vis d'un ministre. D'ailleurs, nous tous avons vu là, et le premier ministre de fait qui est là, comme moi bien dit, de fait, peut-être tout ça parce que il n'est pas passé devant le Parlement, il n'est pas une déclaration politique générale, il est passé devant le Parlement. Et les ministres qui sont là aussi de fait, et dans des conditions peu orthodoxes, ils sont ministres, et il y a un gouvernement qui fonctionne. Je ne le dis pas, même là, il a fonctionné dans, pendant que la liquide des affaires courantes, il a engagé l'État, je ne le dis pas, même bon contrôle que tu as exercé sous l'IA, c'est obligé d'attirer l'attention de la Cour des comptes pour exercer ce contrôle-là. Et a priori ou bien a posteriori, dépendamment de situation dans laquelle ou bien pour laquelle ou lesquelles la Cour des comptes est sollicitée. Alors voilà, nous sommes dans un carrefour difficile. L'important, c'est de ne pas s'autodétruire. L'important, c'est de ne pas fustiger les uns les autres. L'important, c'est de trouver la formule dans tous les compartiments de la société, tant au niveau de la presse que vous représentez, tant parce que la presse tout dit me sauver, ils ont un rôle pour jouer en dans le système démocratique là. Mais pas un même rôle que l'exécutif qui gagne l'argent pour dépenser, qui pour exécuter budget, qui pour faire projet, programme développement ou bien et autre, etc. Mais de la même façon, le législatif qui lui-même qui t'a supposé à faire loi et à contrôler l'exécutif et autres, etc. De la même façon que le judiciaire qui l'a lui-même pour appliquer loi ou qui pour faire répression contre n'importe qui, faire contre tous, etc., avec balance, il n'en mène pas besoin qu'on ait qui s'allie, qui s'allie pas. Je voulais vous dire, voilà, qu'aujourd'hui, nous avons un président qui est assassiné. Le président, on a mis sur le dossier du président un premier juge qui a désisté, un deuxième juge qui n'a pas pu arriver à terme et on a entendu déclarationné à travers un poste qui a circulé à partir de dénonciations TNN. Et nous voilà aujourd'hui un pouvoir judiciaire qui cherche un juge. C'est comme l'autre là, en plein midi, avec une bougie allumée, que je cherche un juge, je cherche un homme. Mmh. Alors voilà, c'est la réalité. Je n'ai rien à dire pour montrer où, niveau de complexité que nous la donne, et sous base complexité ça, il faut que nous créions les conditions pour que tout le monde soit capable de garder ensemble ça nous a fait dans une dynamique de bonne foi avec Haïti comme dénominateur commun pour faire bouger les choses. Oh. Moi, personnellement, voilà, personnellement, je n'ai pas la prétention que je pourrais faire des leçons à X, à Y, à Z. Nous avons un pays où les institutions sont surannées, désuètes, non fonctionnelles ou avec un pile de difficultés de fonctionner. Sous base, la société est menacée. Les bases de la société sont qui que la société Achita Soumia les fébriles. Eh bien, sous base, il faut graduellement essayer de corriger ce qui a lieu de corriger dans une dynamique de consensus. Et c'est le mot, le consensus, c'est le mot qui tient aujourd'hui. Ce n'est pas dans une logique de autre toi que je m'y mette, mais c'est dans une logique de mettre ensemble pour nous corriger ça que nous gagnons pour corriger la société civile, le secteur privé, la presse, le Parlement, l'exécutif, etc. Patati patata. Voilà ma compréhension de la situation. Ok, bon. Et nous tendez où? D'ailleurs, nous prenons un pile temps pour nous capables d'étendre l'intervention là. Mais m'a dit, la question de la presse là, nous ne pouvons pas tellement être sous l'île puisque la presse n'a pas gagné exercice pouvoir dans mes lits.
et la presse côté le capable jouer un rôle mettre des garde-fous et côté la presse qui joue un rôle de contre-pouvoir, mais pouvoir l'État yo c'est des monde qui élu soit au premier ou bien au second degré que constitution bail prérogative pour qui dirige pays a. Donc ça veut dire que pouvoir gagner ou même la presse pas gagner, pouvoir ministre gagner la presse pas gagner. Donc la presse des fois et soit on dit n'a pas fait la jodi a puisque nous va pas faire séance et ça la presse qu'a fait, la presse qu'a dénoncé des bagailles, la presse qu'a fait des analyses, la presse qu'a fait des papiers sous des problèmes que moun qui se tenant pouvoir yo a fait, mais la presse pas gen pouvoir réel nan men li. Ba konnen si population on l'a a décidé ba moun ki nan la presse dirige pays a les anawe, mais la presse li pa gen exercice pouvoir que le capable faire. Donc n'te ti a ce que m'dou ça puisque et m'a pour dire encore pays nou gen la jodi a nou gen exécutif de fait jon sou di a qui gen on tête qui pa gen de nom qui gen tête. Nous avons un parlement dysfonctionnel qui a uniquement 10 sénateurs qui n'ont pas de possibilité pour faire séance. Nous avons un cours de cassation qui a un paquet de juges qui a dehors. D'ailleurs, t'as dû arrêter 6 puisque Jovenel Moïse avant d'assassiner. Il était voulu remplacer 3 juges qu'elle était estimé que t'es fou et qu'on a une question politique. Donc, nous avons un paquet d'institutions qui t'a dû comme si fait exercice démocratique, l'exercice pouvoir de pays. Institution ça yo pas existé, yo bancal, yo pas fonctionnel. Mais tant qu'on y a et pas la presse qui responsable si pays a pas fonctionné. Donc en pile monde toujours dit la presse, mais c'est pas la presse qui gagne pouvoir pour faire ça qu'a fait yo. C'est-à-dire et pas la presse qui gagne pouvoir pour surveiller, et pas la presse qui gagne pouvoir pour exécuter, et pas la presse qui gagne pouvoir pour juger, c'est pas la presse qui gagne pouvoir pour légiférer, pour contrôler. Donc la presse juste capable de dénoncer, la presse juste capable là et comme contre-pouvoir et puis il dit mais ça li ouais que moun qui a dirigé yo a fait. Donc faut que nous pas faire ça tout, faut nous pas ba la presse on rôle qu'elle pas gagné. Exercice pleinement que pouvoir a exercé, c'est pouvoir exécutif, c'est pouvoir législatif, c'est pouvoir judiciaire et pouvoir ça yo. D'ailleurs démocratie institution c'est sous ça yo chita. Allô sénateur, est-ce que il est là? Allô Charles de Gaulle, par contre si il y a un petit problème technique parce que nous pas attendre. Nous attendons le sénateur. Allô, sénateur, vérifiez le téléphone là pour vous. Parce que. Garde le téléphone là pour vous, s'il est toujours là. Donc. Non, juste pèse un bouton pour lui-même. Sous côté. Hein? Allez. Ah, ok. Ça. Lila. Oui, Lila. Sénateur là. Oui, sénateur là. Bon, il faut Charles de Gaulle à fond bail, puisque nous remarquons le sénateur là. Je suis là. Ok, sénateur. Très bien. Vous m'entendez? Oui, on vous écoute maintenant. Merci beaucoup, merci. Moi, personnellement, je n'ai pas choisi de faire le procès de la presse. La presse peut choisir aussi de faire des jugements à partir de son analyse sur n'importe quelle situation, sur n'importe quelle personnalité politique ou personnalité de la société civile. Ça, c'est le rôle même qui dévolue à la presse. Pour être capable de toujours jouer, ça me décale de contrepoids et d'information et de formation, de contrepoids surtout à dérive que le capable de constater lui-même dans le niveau de société. C'est presque comme la société civile. Comme la société civile. La société civile devrait être apolitique et jouer un rôle de contrepoids en toute dérive totalitaire et haute, etc. C'est le cas constaté. Je ne vais pas le procès à la presse. Même quand la presse mettait lui, dans le cadre général, côté tout pays, nous avons tous constaté que c'est dans tout niveau de dysfonctionnement et problème dans tout niveau. Il n'y a qu'à ouvrir, effectivement. Admettre que il y a un problème tout dans le niveau de la presse. Il y a un problème dans le niveau de la presse. Il y a un problème tout dans le niveau parlement. Il y a un problème tout dans le niveau exécutif. Il y a un problème tout partout. Il y a un problème dans la justice. Ça va essayer de faire. Ça va essayer, je ne vous dis pas, non pas faire jugement, ni faire procès, et etc. dans l'intervention permanente. Même à présenter question dans le cadre général, côté présenté tout à l'heure à tout, côté où tu dis, il y a un problème dans le Parlement. Parlement, ça doit faire loi, voilà que qu'on y a 10 qui chitent en bas et puis pas quand même faire loi ou pas quand même contrôler l'exécutif.
Ça veut dire ça. Est-ce que c'est nous-mêmes qui t'ai choisi pour que pas de élection? Élection, il évolue uniquement à pouvoir exécutif. Je ne veux dire, qui est-ce qui peut faire élection? C'est parlement, 10 sénateurs qui l'ont, ou bien ou même dans la presse là, ou bien va répondre. Non, il revient à l'exécutif en France de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour organiser les élections. Ça permettez que je me dise un bagage. Je ne veux dire, si on a parlé de élection et que ouais, nécessite, ou peut, pendant qu'on a parlé de élection, et pour dire qu'on a fait conseil électoral, et puis unilatéralement, on va monter un conseil électoral. Ou dit m'appeler un tel parce que moi, mes formes sont un tel. Parce qu'un tel sorti dans tel secteur, moi, il est un tel. Non, il faut établir des règles. Ce n'est pas le pouvoir d'un homme qui est là. C'est un pays. Un pays pas capable de même rester pour un aigle vert, un seul matin, et puis pour dire j'aime cette femme-là, parce que qu'il compte parler en pile, moi, estime que son bon juriste, ou bien moi, estime que net ça, son aigle, qui parle en bien de lui dans la société. Et puis, je l'appelle pour le nommer. Et membre du conseil électoral. Ça ne va pas marcher. Et la meilleure façon de faire fonctionner ces gens de cette institution dans les conditions actuelles, c'est de trouver le consensus nécessaire entre les différents acteurs, les différents pôles de la société civile, et à partir de ce consensus, on pourra établir non seulement les règles, le mode de fonctionnement, établir les principes, choisir XYZ s'il y a un choix à faire, exécuter 1, 2, 3, 4, 5 selon la feuille de route et puis faire de telle sorte qu'il n'y ait pas des élections qui soient contestées à la base, sous base choix seulement et puis élections contestées et puis on va perdre 70 millions, 80 millions de dollars tirés encore du trésor public, Tatakabano, au moins 80 écoles en plus à travers les zones sud, dans la zone grand-dense, côté dernier tremblement de terre, cette partie-là. Moi, bonne conception que nous avons de l'État. Nous avons que l'État, nous devons l'État service. L'État, nous devons l'État qui mettait lui dans une situation avec dirigeants, pour que dirigeants comprennent et que, dans la façon que l'État y est, je ne vous dis, étant donné que tout pôle pouvoir, tout compartiment pouvoir, c'est des compartiments pouvoir qui handicapés. C'est dysfonctionnel et qui bancal, eh bien, il faut ce grand compromis, il faut ce grand consensus et il faut se parler franc entre les différents acteurs avec en relais la presse, parce qu'on a besoin de la presse, parce que c'est la presse qui communique, c'est la presse qui fournit des informations, c'est la presse aussi qui permet à nos autres dirigeants de corriger nos failles. Et d'aller peut-être dans alors, le les nouvelés, si nous voulez. Non, la presse va gagner tout pour ça. Allez, si nous voulez. Non, contre la presse. Écoutez, c'est si vous en voulez, effectivement. Peut-être que ça, parce que la presse vient d'avoir une position, mais la position mondiale, elle était figée. Regardez-moi ça. La presse ne fait que répéter à longueur de journée. Presque tout organe de presse que m'a parlé là, pendant toute journée, que m'a attendu, pendant toute journée, au seul bagage qui a parlé. La nécessité de rendre justice au président Jovenel. La nécessité que tous ceux-là qui sont impliqués de près ou de loin dans l'assassinat du président, qu'ils se présentent par devant un juge. Je vous l'ai dit à nous, des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas aller devant un juge parce qu'ils ont une autorité qui couvre, ils ont un titre ou un statut qui couvre, qui fait qu'ils ne peuvent pas aller devant un juge. Qui monte ça, sénateur Lambert? Écoutez. Qui monte ça? Ton secret lié pour nous. Que Ariel a refusé de se présenter par devant son juge. Son secret lié pour vous, que Ariel a été convoqué par devant le commissaire du gouvernement ou bien le cabinet d'instruction. Et aujourd'hui, son secret lié pour vous, que CNN dit, voilà, son secret lié pour vous, ou bien pour nous tous, que le lendemain matin, j'ai entendu le juge à Radio Caraïbe qui dit que n'y a pas de jambes à interview avec personne de monde, alors qu'on a enregistré la voix du juge pour et puis on a rendu public pour tout le monde entendre. Est-ce qu'un pays peut fonctionner comme ça? Aujourd'hui, nous n'avons dit, je vous garantis que si c'est Marco ou bien si c'est Capane, ton juge d'instruction est révélé, eh bien, Capane n'a pas gagné un peu le café, Marco n'a pas gagné un peu le café, Val n'a pas gagné un peu le café, eh bien, c'est aller en bas, aller répondre, juge d'instruction, si pour le Kembo, le Kembo, si pour le voir la caille, mais quoi que l'on va voir, on descend. Mais c'est la Dolambert.
Sénateur Lambert, pendant la parole, en fait, juge qui t'a choisi, il t'a choisi, il a déporté le dossier, et en fait, pour le moment, il a cherché juge, il a risqué pas qu'à joindre ou bien le difficile pour joindre. Qui ça qu'on a espéré de questions enquête qu'a fait au niveau de la justice en Haïti? Moi, Mabio, je fais confiance, je veux continuer à faire confiance dans la justice de mon pays. Nous connaissons que tout compartiment l'État, de tous côtés, il y a des handicaps, il y a des problèmes. Et c'est ça qui fait que le problème, ça, c'est pas un problème qui est capable de résoudre du matin au soir. Il faut un début, il faut une nouvelle compréhension de la situation, il faut cette rupture, il faut cette considération majeure sous des personnalités, des institutions, et que nous-mêmes, encore dans la société, que nous devons créer les conditions pour nous fabriquer ou bien mettre en place. Mais je ne veux dire, vous imaginez qu'il y a un premier juge qui était là, il dit non, pas de dossier ça. Trois chaud. Pas de dossier gris chaud pour juge, parce que c'est balance ou bien dans le monde. Monde qui entend longtemps, monde qui est coupable, à quelques paliers de la société qu'on est capable de situer. Pour un deuxième, deuxième n'a pas commencé, et m'entendez, n'envoie mon nom même, n'envoie juge là. Juge a dit, à qui a ce pensé qu'on y a là, moi-même, m'a utilisé un mot que je n'ai pas utilisé, moi-même, dans la radio, parce que nous toujours on certaine retenue. Pour si ma tante m'attendait, pour plus tard, je parler de comment faire des gros mots dans la radio. Parce que les gens quand j'ai parlé, il y a des nègres la ville, entre guillemets, sans que je ne pas complexer par rapport à eux-mêmes. Je dis tout ça ouvre avec bouche, j'en ouvre. Je ne vais pas dire n'importe qui bagaille. Mais je dis, où me donnez juste la dimanche, excusez-moi l'expression, qui ça est capable de faire avec pour dada, moi, etc. Mais il va dire comme ça. Bon, il te dit pour une dame, comme ça, pour m'exposer tête, moi, etc. On a excusé le public là pour mon expression ça. Mais je dis, où, honnêtement, l'on dit ça. Vous savez, dit ça. Même le juge d'instruction, vous ne vous dites pas, vous avez une pénible obligation pour même lorsque le cas où on est trempé en la question, il y a suffisamment d'éléments pour arriver sous lui, et puis il dit qu'il n'est pas qu'arriver sous lui. Monsieur, il faut questionner. Mais sénateur Lambert, comment comprenez-vous et le Premier ministre Ariel Henry, qui gagne un ensemble d'accusation sous Dole, juge Aurélien non cité dans l'article CNN nan, et voix moun qui connaît juge là dit c'est voix juge là, ça dit pays censé au courant que yo presque fait conviction que c'est voix juge là, juge là dit c'est pas voile. Mais qui ça qui explique que société a, au lieu yo chercher comprendre ça qui a passé pour la justice, quelle que soit faiblesse que le gagne, montrer clairement que c'est de fausses accusations qui sont au Premier ministre. Et puis, c'est négociation qu'a fait. Le Parlement, il a rencontré le Parlement. Jodi a rencontré BSA. Il a rencontré ensemble de secteurs. Même Jean, ou même au nom du Sénat haïtien, ou a fait des assises pour rencontrer monde pour question consensus. Ça qui passe. Est-ce que c'est banalisé, ne banalisé question ont éventuelle implication bien des accusations qui fait sous PM non accusation ça qui jusqu'à présent nous pas qu'a dit au fondé ou pas puisque c'est la justice qui fait comprendre clairement est-ce que c'est de fausses accusations. Ça passe même qui fait que malgré tout c'est de rencontre qu'a fait pour nous négocier pour jouer nos consensus avec qui moun avec numéro 1. Bon, on bagaille extrêmement important que je suis supposé attirer l'attention sur lui. J'ai vu la note, j'ai lu la note dans sa globalité hier, la note signée de Moun BSA, Moun Montanayo. Et Moun Montanayo dit très clairement au président, au premier ministre Ariel, dans le début, lettre, l'heure est grave. Votre nom est cité par X, votre nom est cité par Y. Vous avez choisi de ne pas obtempérer aux ordres de la justice et autres, etc. Et que l'État bon ou aller laver tête pour faire. Écoutez, le premier ministre Ariel Henry a tout intérêt
à faire sa toilette judiciaire. Et je dis bien, je pèse le mot. Il y a une toilette judiciaire. Peut-être que ça, parce qu'il y a trop de doutes, de suspicions. Et je le considère à date comme un présumé innocent. Mais c'est à lui-même pour faire preuve de grandeur, pour aller devant le juge et puis pour aller laver cette liste, pour aller dire le contraire. Et quant au juge, à voilà, eh bien, si le juge n'avait pas à voilà, et que CNN font un gros bagage comme ça, pour moi-même, juge là, millionnaire là, demain matin. Parce que les États-Unis, c'est pas ici, leur dire qu'on en action, pour diffamation, contre le monde. Leur finir autant de dire, ah bah occupé, monsieur, ah bah il n'y a pas de boutique. Je... Mais aux États-Unis, si juge là font action contre CNN, juge là fait plusieurs millions de dollars américains, et pour juge là fait geste là, font action en diffamation contre CNN, pour dire, voir ça et pas voir, et que l'information que le gars en l'époque. Je ne pense que en institution, on va être pour CNN, qui est un groupe, conseil juridique, li, qui fait enquête sur le terrain, regarder à gauche, à droite, etc. Ça fait double check. Vous pensez là pour voir comme ça, et puis il prend, et puis il passe comme ça, il prend pour vrai. Est-ce que le Sénat n'a pas qu'à mener une enquête, même si l'homme des dossiers, sénateur, il a tortue pas là? Est-ce que le Sénat n'a pas qu'à, si nous trouvons que par exemple, je ne vais pas avancer, hein, est-ce que n'a pas qu'à mener une enquête sous juge là, pour nous vérifier ce qui a passé exactement, puisque. Non pays qui t'a assemblé à pays. Si on juge de son dossier, elle t'a fait une déclaration comme ça. Moi, je pense que la justice t'a seulement fait lumière sur lui. Et puis, les gens qui peuvent marrer, ils marrer. Puisque si le juge t'a dit ça vrai, c'est que le juge connaît à travers l'enquête que le fait, il y a des indices nécessaires pour le dire que PM est impliqué dans l'assassinat. Ok, Mabio. Le Sénat n'a pas voulu, en tant que législatif dysfonctionnel, pas besoin à l'engager long bagage côté qu'on n'est pas la suite, il n'est pas capable de aboutir à ça pour aboutir à seulement que, même j'ai avec tout le monde, dénoncer et dire, mais ça peut joindre. Et puis là, ça va dire, machination politique, etc. politique. Mais écoutez, le FBI est sur place. Les indices ou bien les éléments que qui te gagnent certains éléments qui n'ont et bagage juge là et bien à questionner Mounsaro lui-même directement en la prison. Faites attention pour que dans le cabinet pas mon courri et là ça a connu là tout le monde a dit ah effectivement te gagne bagage dans main te gagne causé moi même m'a dit étant donné que FBI là. Étant donné que la justice là, la justice haïtienne doit là, parce que nous n'avons pas qu'à quitter que c'est FBI qui a pris du questionnement de façon unilatérale dans le pays souverain, et c'est pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure que je fais confiance à mon pays, je fais confiance à la justice de mon pays, et je fais confiance aux juges, je fais confiance à l'équipe monde qui a conduit le pouvoir judiciaire là. Mmh. En réalité qu'il a, qui a droit, pas inspirer juge là suffisamment confiance, mais associé à une instance tant que FBI, monsieur est certain que a gagné suffisamment d'éléments pour inculper X ou inculper Y en considérant aujourd'hui tout le monde qui joue aujourd'hui à que vous pouvez inculper, que vous pouvez garder patati patata, que vous pouvez même juger, me considérer comme des présumés innocents. Même Jean Solage, ben Solage, qui est en prison, même pas la chose. Et même le sénateur Jijiji, John Joël Joseph, eh bien, excusez-moi, j'ai dit Jijiji parce que c'est un nom et amical en tant qu'ancien collègue sénateur. Alors, c'est un présumé innocent. Jusqu'à ce que vous soyez capable de gagner suffisamment de preuves qui pourraient culper eux, qui pourraient devant le juge, puis juger eux, puis condamner eux. C'est la justice, c'est la loi. Moi, je respecte toutes règles. La réalité aujourd'hui, c'est que, monsieur, nous avons un premier ministre qui liquide les affaires courantes et qui est seul au niveau de l'exécutif, sur qui plane des doutes énormes quant à son implication dans l'assassinat d'un président chez lui. Je veux dire, vous imaginez, on va être comme ça, arrivé,
Wanda pour t'attendre audio gagner des des 16 mercenaires qui sortent du Burundi et puis qui viennent tuer président Paul Kagame Wanda. C'est la guerre, monsieur. La guerre entre Burundi avec Wanda. Et nous voit ça déjà. Nous connaissons qui la première guerre mondiale là t'est déclaré. M'pas songer tout de suite, même songer son prince avec quel compte etc. que tu t'es tué. Et puis guerre a déclenché. Alors voilà, pas dit nous question haïtien, moi haïtien aussi genre à mort. Nègre plus à l'aise n'en parler et jouer monde fin sur réseaux sociaux au lieu que vous prenez conscience que nous avons un pays qui est en agonie et que nous tous sans distinction ni exclusive responsables de situation agonisante dans le pays autour de la dame. Quel que soit mon nom. Pour être ça, parce que, Mabjoumaïa, si l'élection est gagnée pour être faite et que l'élection n'est pas faite, et que je ne vous dis, ou bien nous trouver ou non parlement, qui trouve une situation où il n'y a pas même gagné comme des cailloux, formule de remplacement, un exécutif qui parle là. Pas gagné l'autre solution. Si solution qu'on cherche, il n'y a pas qu'à inspiré de constitution, mais plus proche de constitution, hein. Même lorsqu'on a légitimité. La seule et unique manière de traiter de la question, c'est le consensus entre les différents acteurs, les différents pôles politiques et de la société civile, les forces organisées de ce pays pour le faire. Et c'est pour cette raison que je me suis dit, aux côtés de mes collègues sénateurs, que on ne peut pas laisser aller à la dérive pays a totalement, il y a un effort à faire. Et okay. Tout le monde est comme que le Premier ministre Ariel, dans son discours du 7 février, je ne sais pas si c'est mon discours qui poussait à la faute, même estimé que c'est une faute tactique, une faute politique grave, entre étant des partenaires politiques, des Haïtiens comme lui, c'est la Dalambert, de Timoun qui a fait jouer terre. C'est la Dalambert. Voilà, c'est ce même groupe Mounsa auquel il dit que tu as fait jouer terre avant hier. Et puis, mais je dis, lui éviter pour venir parler ensemble avec eux, puis elle fait tout ça, puis elle continue à faire jouer terre. Sénateur Lambert. Alors voilà. Sénateur. On passe les entrées, ça y est. Sénateur. Oui. Bon, n'a pas vu une question, ça y est, sous question ponctuelle, ça, et qui est relative à politique pays, pour qui j'en ai produit ces pays, mais je voulais faire une relance et sous et question. Déclaration juge là, et que CNN dit qui enregistré et puis qui authentique et que c'est voix juge là, et vous saute parler de CNN là. Et bon, mando non. Bon, comme moi, on tire à la défensive, bah, qu'on est. Et mais bon, non, bon, mando ça. Non, ça c'est pas bon, ça. Bon, ok. Bon, pose aux questions. Tu es sur la défensive, toi. Moi-même, tout est qu'on aime calme. Et ma coup, pas quitter personne intimidé. Ma messe, pose aux questions. Ok, ma messe, pose aux questions. Et non, pour aller offensive là, faut que c'est bazar avec Nami Tate. Ou que la baga passe, non, ou je vais être un bon, ou qu'on le football bien, ou qu'on le a tout faux équipe. Il y a tout faux, ou je vais être un camp. Laisse on mette 9 nègres dans le camp, ou bien il y a la défensive. Bon. Bon, ok. Bon, mando, le sénateur. Et c'est ça que je vais parler tout à l'heure dans le début de l'émission. Tout le monde, par exemple, plancher. Yo taxé sous déclaration ça que CNN baille. Faut nous rappeler que CNN sont média. OK, sont média qui fait déclaration ça. Mais comme sénateur de la République, qui ont well, qui ont senti ou par rapport à politique pays a. Le gen un juge instructeur qui sous un dossier li estime que gen un premier ministre qui impliqué. Il n'y a pas même de courage pour lui inviter, ouais, ça me dit là, pour lui inculper dans le dossier. C'est une déclaration que l'oblige à le faire by l'autre monde jusqu'à ce que CNN joigne ni et que même le CNN dit que voilà authentique, juge là dit c'est pas ça. C'est pour ça que je me posé tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez une bonne dans pays qui n'est pas utile pays à rien. Donc ça veut dire que. La justice qui te doit mener un dossier
juge là qui gagne tout ça comme parce que même 10 même. C'est des faits que le juge a gagné et que le connaît bon monde qui est impliqué, alors que c'est lui qui a instruit un dossier. Mais c'est une chaîne télévision, c'est un média dans pays étranger. Même Jean FBI vient là, l'a cherché, collecter données. Il y a monde qui déjà inculpé aux États-Unis, mais ça pas dit nous rien, nous pas senti nous gêner. Donc, on comprend que faut Ariel paraître, mais qui vont comprendre tout que Ariel paraître, mais non juge qui relève. Vous savez, mais non juge qui relève, donc juge n'a pas de courage pour relève Ariel, pour dire ça, pour dire l'inculpé. Justice nous, maintenant qui est allié. Et de ça, on t'a parlé dans l'air, alors tu voulais voir une charge là sous la presse. Mais, qui ça la presse a fait? Bon, imaginons, on juge qui a instruit un dossier, qui a tout ça comme information. Ligue tout ça, peut-être c'est des faits que le juge a gagné, parce que M. Dinek a impliqué la donne. Mais le juge a pas eu courage. Même les définis vitaux, il a eu un exil. Tout le monde a compris qu'elle a fait un gros bagaille. Et je dis à tout le monde a demandé à Ariel pour aller devant le juge là. Mais je n'ai pas bon juge, non, non, trois juges qui passent, qui jamais vit Ariel un jour. Merci. En ma connaissance, on connaît que tu es un commissaire gouvernement qui te voulait un mandat pour lui. Non, ça est commissaire gouvernement. Excusez-moi. On a parlé des juges qui ont instruit le dossier. Excusez-moi. Oui. Le commissaire du gouvernement est maître de l'action publique. Il est maître de l'action publique s'il invite un individu à charge par l'individu de se présenter par devant le commissaire du gouvernement. Au lieu que peut-être que là, devant le commissaire gouvernement, le commissaire gouvernement spécifie très clairement l'invitation, non, et que c'est sous suspicion de implication dans l'assassinat du président de la République. Le commissaire du gouvernement a été révoqué. Le ministre de la Justice, qui tentait de prendre la défense de ce commissaire du gouvernement, a été aussi vidé. Et aujourd'hui, qui t'a fait le poser comme question? C'est une honte liée pour nous tous, c'est une honte pour nous tous. Ou même comme haïtien, pour sentir que je ne redis pas, ou blesser mon nom par le simple fait que je ne redis pas, juge à trouver lui dans la pénible obligation pour le faire piéger lui à travers une déclaration que le fait et que c'est CNN, aux médias étrangers qui passent. Je trouve que ça ne doit pas passer le tout. Et si ce coup te passe, ou tu apprends pile monde qui t'a banalisé parce que c'est ce coup. Pour tout le monde banaliser, parce que c'est méga, c'est Caraïbe. Maintenant, c'est CNN, et c'est CNN, eh bien, ça fait tout le monde. Je dis que ça. Je vais vous dire, monsieur, l'autre dit tout à l'heure, mon complaisir, moi, je vais bailler la presse responsable. Moi, je dis où? C'est nous, tout compartiment pays qui a un problème, non? Je vais vous dire, voilà que. Si c'est vous-même qui avez des informations dans ce coup, et vous passez, vous avez banalisé parce que c'est ce coup. Ça veut dire que vous n'avez pas fait ce coup confiance, ce coup là pas rien. Alors, parce que son presse haïtienne, son média haïtien, alors que Miami Herald, après qu'on bagaille, il n'y a plus de Miami Herald, toute importance que vous avez, alors que nous avons écrit, il n'y a pas de nouvelle importance. C'est là où le problème haïtien. Et je vous dis aussi, ou après, tout le monde a dit, d'accord, depuis Blanvini là, demain matin, il dit, bon, demain matin, c'est Pinocchio, c'est Grand Carrefour, c'est Tichemin qui doit diriger le pays. Et pour après, tout le monde était bouche bée. Il n'a pas dit, why? Parce que Leblanc a parlé. Mais, Abdio, son situation compliquée, difficile, et il faut cette situation de rupture pour retourner à la normalité institutionnelle, mais dans un État qui s'ouvre, dans un État souverain. Le mot souveraineté en lui-même, m'a dit où, sont toujours une souveraineté limitée. Peut-être qui ça, parce que tout pays qui a une souveraineté limitée, c'est parce que purement et simplement, ou pas gagné moyen pour même répondre à besoin dans les conditions qu'on voulait. Et voilà que je ne veux dire. Nous souverains, nous sommes peuple souverain. Mais la logique de l'interdépendance des nations mettez-nous dans une situation de dépendance totale. Regardez, les gars qui ont été là un seul matin, ils disent où? Bon, ok,
mais qui j'en voulait ça en Haïti. Le président Jovenel a tenté faire l'armée d'Haïti, les grandes puissances, les États-Unis, le Canada, et autres, j'en passe. Et puis on dit où, mon cher, nous ne pouvons pas avoir qu'un agent pour nous faire pour nous faire l'armée d'Haïti. Et puis s'entendez à tout, comme Grèce cochon pas nous, on pas cuit cochon, ou bloqué là, ou pas aller plus loin. Je dis, c'est la police qui a supporté. Pendant que les policiers avaient un revolver 38 dans les mains, ou bien un 9 mm, pendant que les gangs lui-même avaient un Kalachnikov dans les mains, avec un Galine, avec un T-65, avec un M16, M15, et lui-même gagne un lance-grenade, et lui-même gagne un M50, bagaille mettre sous pied, tu as vu des palais ensemble avec toi. Bon, palais. Avec qui ça? Avec qui? Journée aujourd'hui, nous avons un problème. Et si nous avons un problème, et puis nous continuons, rester dans la même dynamique ça, pour faire le jeu des autres, et éviter de mettre tête nous ensemble, parce que purement et simplement, nous avons un espace pouvoir qu'on doit conquérir, et que l'espace pouvoir ça, nous fait pour moi, pour mes amis, pour mes proches, alors au lieu que vous considérez le collectif, pour non pas dans le partage pouvoir, mais nous créer les conditions pour qu'on feuille de route pour nous retourner à la normalité institutionnelle. Mais c'est une bataille à livrer. Et pour bataille ça fait, il faut qu'on fasse sans complaisance et puis il faut qu'on fasse tout de manière décomplexée. Très bien. Sénateur, d'accord. Sénateur Lambert, vous avez deux petites questions. Très souvent, et vous parlez comme un homme d'État, vous comportez un homme d'État. Je vais poser des questions à. Je ne sais pas si vous avez choisi de répondre à un homme d'État ou un citoyen. La population haïtienne a constaté que je prends un parti et puis ou même, étant donné que vous rencontrez PM Ariel Henry, moi je ne pas rencontré, auditoire n'a pas rencontré facile, peut-être que vous avez un ou deux. Et maintenant, vous êtes capable de dire nous quelques autres actions que vous connaissez. La population a constaté que Rockefeller Vincent, commissaire Bedford, Claude Joseph, trois moun sa yo révoqué dans question justice pour Jovenel Moïse. Yo remarqué que PM Ariel Henry instruit ministre affaires étrangères là pour l'exprimer colère li parce que trois moun sa yo qu'il te révoqué rencontrer secrétaire général OEA pour demander justice pour Jovenel Moïse. Nous fait s'attendre là jusqu'à ce que juge là confirme vraiment que c'est pas voile mais CNN dit c'est voile. Cap dénoncé qui dit Ariel Henry participer dans assassinat Jovenel Moïse là. Nous au courant que Jovenel Moïse te gon bataille t'a fait en façon ensemble de moun. Nous au courant que yo levé mandat d'interdiction, yo annulé mandat yo qui te gagné l'état ici te met derrière moun sa yo et yo levé interdiction de départ yo. Ça veut dire moun qui t'a gouman face Jovenel yo. Nous remarquons que y a des actions gouvernement a posé pour ramasser, pour gérer Mounsayo comme si pour montrer que Mounsayo c'est bon bagaille et c'est Jovenel qui pas de bon. Comme vous même rencontrez avec PM Ariel Henry plus souvent, comme homme d'État ou comme citoyen, qui l'autre action ou au courant que le poser pour Jovenel Moïse jeune justice avec famille, avec peuple haïtien pour connaître qui ça a passé dans le dossier assassinat ça? Pour moi-même, je voulais Ariel pour qu'on fasse rien, qui t'a montré que les bon volonté pour t'a permettre que le président se nomme comme premier ministre pour t'a faire une justice. Et c'est là où le paradoxe. Le paradoxe, c'est que Ariel Henry n'est pas tombé du ciel. Ariel Henry a été nommé par le président qui est assassiné et je ne le dis pas, le seul premier ministre devait être le premier avocat de président Jovenel pour le jeune justice. Et pourtant, il y a des gens qui fait moins d'efforts dans la question ça. Et par le fait que Claude Bedford et autres, etc., allaient à Washington rencontrer avec le secrétaire général Laura, eh bien, moi, ministre des Affaires étrangères, écrivons-le, peu diplomatique, très peu diplomatique, et ça, c'est moins dit publiquement,
un peu grossier même, à président, à secrétaire général l'OEA, qui lui-même ligue pour parler avec n'importe qui monde, n'importe qui le, sur n'importe qui dossier que le pensait qui nécessaire pour parler. La balle valeur pour le Bali, la pour relativiser lui en fonction de l'importance que lui-même ni quoi que le gain est en jeu. La réalité, c'est que journée aujourd'hui, le Premier ministre Ariel n'a rien fait pour essayer d'aider à trouver justice pour le président Jovenel. Deux, son nom est cité et par conséquent, par élégance, le Premier ministre Ariel l'État doit purement et simplement tirer conséquence de question ça. Mais nous ne pouvons pas ça passer. Nous ne pouvons pas ça passer en Grande-Bretagne. Au ministre, cap dit moun, mettez masque. Et puis, vous jouez un côté, vous faites photo sans masque. Vous êtes démissionné pour ça, oui. Vous êtes démissionné pour ça. Pas maintenant, je ne vais pas demander de démissionner. Parce que vous êtes en train de liquider les affaires courantes. Cela voudrait dire que vous êtes dans une situation exceptionnelle pour aider les différents acteurs, y compris vous-même, à joindre solution définitive pour que nous abrions le pays sous question réforme constitutionnelle, élection, et puis permettre que Elio rapidement capable en place pour pays à reprendre un visage normal. Mais est-ce que nous n'avons pas de façon de dire, sénateur? Le par exemple, ou même en tant que président Sénat a fait tout constat ça yo. Et puis, c'est avec le Premier ministre là, on a cherché au consensus. Est-ce que finalement, je n'ai pas gagné un bagage qui n'est pas clair là-dedans? Ça veut dire que même gens nous reconnaître que non Premier ministre par-ci par-là, mais en même temps, on a cherché une forme de négociation pour nous faire qui ça? Pour nous débloquer le pays. Mais Mabio, la meilleure des choses, c'est qui ça? Par élégance et politiquement, je ne peux pas dire que le Premier ministre devait se retirer. Mais c'est ce qu'il devait normalement faire. Et deuxièmement, toute solution qui va mettre des dirigeants dans cette pays, sur qui planent des doutes ou bien suspicions sur implication dans l'assassinat au président, signifie automatiquement que le président ça ou bien justice ça pas besoin de justice tout le monde vrai et pas besoin de procès équitable parce qu'on a toujours influencé. Et la dernière démarche en date, c'est qui ça? Lorsque ce même gouvernement essaie de tromper la vigilance du CSPJ pour aller proposer CSPJ à des listes de noms pour nommer comme juge à la Cour de cassation, alors que un, vous êtes en train de liquider les affaires courantes. Et deux, vous n'êtes pas habilité à le faire parce qu'il y a des mécanismes prévus par la Constitution qui déterminaient qui gens pour nommer un juge dans la Cour de cassation. Ça veut dire ça. Si vous parlez au niveau de l'État pour aller tenter placer des mondes, c'est parce qu'on connaît dans le système de justice que nous avons là, en dernier ressort, c'est capable la Cour de cassation qui tranchait. Et par conséquent, on va placer des pions au niveau de la Cour de cassation. Pour leur dossier arriver devant eux, pour juger ça capable de redevable envers eux. Non, il ne faut pas. Vous êtes en train de liquider les affaires courantes, liquider vos affaires courantes et profiter de moments affaires courantes, non, pour nous capables d'essayer et faire un éclipse sous. Alors tout le monde connaît un éclipse, tout étudiant, tout élève qui a fait pilot là, vous n'y a pas un éclipse, tout le monde connaît. Donc voilà, lune passée, puis. Il barre et pour parler la lune encore, la lune dans le noir, avec des bons éclipses. Fais le noir en sous, fais éclipse à sous, et puis permettre à pays à étouffler et à la fois créer les conditions d'espérance et d'espoir que le pays a tout bon vrai capable de retourner sur route normale. Voilà, moi je dis en toute sincérité, je ne veux dire, moi je suis fort droit lui, en négociation. Avec Ariel Henry, qui en même temps conserverait Ariel Henry encore dans la position que lui a, risquant énorme encore pour l'influencer, pour voir l'exécutif là et influencer les signataires. Par contre, il faut le reconnaître, c'est l'exécutif qui est en place, qui contrôle à la fois la police, qui contrôle l'armée, qui détient les finances. Et qui
qui utilise les finances publiques pour ensemble de bagailles. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que on ne peut pas, du matin au soir, demander à Ariel Henry de vider les lieux comme un lapin. Il faut entrer en pour parler avec Ariel Henry en attendant que Kounian la solution du jeune consensus en dégager. Et puis à partir de ce consensus, faire de telle sorte que le pays n'a pas besoin de trouver une situation de déferlement, de désordre, instabilité et autres, etc. Mon discours du 5 janvier, le jour de mon anniversaire, mon discours du 5 janvier, la position du Sénat du 5 février, m'a dit, c'est parce que purement et simplement les sénateurs avaient voulu anticiper toute une série de débordements à travers la République. Et j'ai encore en mémoire la position du sénateur Wanik qui a demandé à chaque de faire une intervention publique à la radio ou à la télévision, la CAIO, pour demander au peuple à tenir calme avec sérénité pour éviter que nous crasions qui reste bagaille que nous avons là aujourd'hui. On a anticipé. Mais sénateur, il y a deux monde qui fait de réflexion, qui dit que, par exemple, qui garde l'intervention, il dit c'est normal, puisque ou estimez que comportement PM n'a pas fini pour clair parce que la femme de César doit être au-dessus de tout soupçon. Et comme il y a tout doute ça, et vous avez pris l'exemple de BSA qui écrit BSA, qui te dit que l'heure est grave, donc il faut qu'on bagaille qui fait. Mais sénateur, est-ce que ce n'est pas colonne vertébrale société qui casse le ou gagne deux camps, deux groupes qui nous ont dit deux autorités, le Sénat, la primature, la primature qui vient dans tête, un premier ministre qui gagne un gouvernement, par exemple, à tort ou à raison, mais qui gagne non moun qui est dans le gouvernement qui est cité dans la question kidnapping, et mais numéro 1, non le cité dans la question assassinat, etc., il y a doute sous lui. Le Parlement, tout, il gagne un minimum deux sénateurs non cité dans le kidnapping, dans le volant. Quand il y a deux conseils qui ont décidé pour la population, comme on te dit, faut pas finir à tirer sans. Est-ce que ou pas un message pour moun qui dit que colonne société vertébrale société déjà crasé déjà donc et ça qu'a fait là pas utile peuple on comprend donc c'est mafia son petit groupe c'est même yo même non comme si pour banaliser bah, qui message ou ta gain pour moun ça qui ouais la primature et le sénat tant coup deux groupes comprend qu'a régler fait pas yo mais écoutez nous te dit déjà nous dit nous gain en société c'est une bêtise. Parce que nous avons trois pouvoirs de l'État qui jouent aujourd'hui à attaquer un camion de souveraineté, il y a tout le grand problème. Soit il y a une qui mentale, soit il y a une qui dysfonctionnelle, soit il y a une qui, je dirais, bon, il y a un problème. Ça veut dire ça. Jouer aujourd'hui, l'on a une dynamique comme ça, et que c'est comme ça la situation présentée, dans tout pays. Côté type de situation ça représente, c'est la société civile et les forces vives de la nation qui interviennent. Et au cours d'un état général, eh bien, ils ont défini qui nouvelle ligne qui a les pays. La réalité, c'est que je vous dis, le Sénat, lui seul, ne peut pas porter la solution. Et comme il ne peut pas être la solution. Le pouvoir exécutif aujourd'hui, à partir du 7 février, perd de sa légitimité ou bien toute sa légitimité et liquide des affaires courantes avec un premier ministre qui, je ne veux dire, a fait des opérations trompe-l'œil, pensant peut-être que je ne veux dire est capable d'aller installer, est capable de remaniement ministériel pour montrer que, mon cher, qui m'a cassé la purelle, si Marie pas monté, point ne fait pas. Ça ne va pas payer dans la politique parce que de toute façon, on va le casser plus gros puis devant. Ensuite, on pouvait exécutif qui a fait tentative pour la WSD qui a nommé juge dans le cours de cassation en contrebande. Ou on même pouvait exécutif qui dit pas garanté. Nous ne pouvons pas être connu. Il y a des pas de sécurité, même bien de sécurité. Et ça fait me dire Premier ministre. Ben on preuve, étant donné qu'on est Premier ministre, mon chef pas prend pleine sécurité avec vous. L'anti-psychique. Et puis, ou même pour contrôler la donne,
al passer quoi des bouquets, aller vivre les matissons, et puis leur élection, porter au candidat pour Kazek dans la ville. Et puis al faire campagne dans la ville. Je vous fais ça. Vous pensez là capable? Non, lui-même dit tout va bien, adelante. Ah, mais si tout va bien, adelante, ah, mais mon cher, allez pour elle là, nous sous, et puis machin, puis traverser matissons. Ou bien pour une tête bœuf, gonfler l'estomac ou sous lui, et puis passer ma tissant, passer quoi des bouquets, et puis pour aller, si la situation est depuis, bah, ou faire testament, 8 montées, 8 descendre, non pas bien 8 montées, bon, donc on monte, on descend, et puis, mais bon, tout le peuple va me traverser, qu'on ait une sécurité. Je ne veux dire, ou non situation où, nous ne pouvons pas revendiquer, qui est un factory, côté on doit déjà faire ajustement salaire pour eux. Il y a le Conseil supérieur des salaires, ce qu'on appelle le CSS, qui joue un jeu pour que j'aime prononcer parce que j'ai des entités, parce que j'aime voir mon dans le Conseil supérieur des salaires là. Mes travaux pour exécutif la fête permettent que mon salaire complète le Conseil supérieur des salaires là, pour être capable de travailler rapidement, pour être capable d'ajuster le salaire mon dans la factory. Ah, ça donc, très important, sénateur Lambert. Bien content on vient sous dossier ça parce que ces dossiers ça qui a fait actualité. Et hier, on a fait une analyse sous ça déjà. Donc maintenant, qui ça qui explique? Comment comprendre que l'État a décidé de monter le prix gaz là, de pas ajuster la course machine qui est dans la rue, question transport là, et que le chauffeur a décidé de mettre le prix au vle. Il y a de monde, il y a de bataille qui a fait dans la rue, parce que il y a de course qui était 25 gouttes, qui passait automatiquement à 50 gouttes. Malgré ces 50 gouttes, ils mettaient sous gaz 200 gouttes qui passaient à 250 gouttes. Mais dans le factory, donc, les gens qui travaillent ça, si ils étaient dépensé 25 gouttes pour machine, ils vivent 50 gouttes. Plat manger, s'il était 150 gouttes, ils montaient 250. Donc, tout ça, les gens ont fait prier, ça s'est doublé. Et même si une bataille entre les gens qui réclamaient 1500 gouttes, le patron a gardé, l'autorité de l'État a gardé. Et patron au conseil qui gagne moyen nan men yo, malheureusement, yo utilisé police nationale pour nous ta ka di si men garotte en créole en dehors, caler moun yo, pour caler moun yo, fouetter moun yo à coup de fouette. Et si ou fait un calcul sénateur Lambert, ou prend 500 gouttes jodi an, yon moun ki levé matin qui achete un boisson un coca, pa konnen sa lié an, la environ 50 à 60 gouttes. Li achete un pâté pour 75 goud. L'on fait calcul là, l'a dépensé minimum 490 goud dans 500 goud là. Est-ce que jodi, comme Steven Benoit, comme yon nan parlementaire qui marque peuple haïtien, qui te font bataille pour question salaire minimum, ou même en tant que président en bas, comment comprendre situation ça et qui ça wap dit, non seulement à autorité yo, mais avec patron yo, que ou même, ou habitué à discuter avec eux, peut-être gagner dans eux qui sont mieux. Mario, ça c'est une position ça que nous clairement exprimer. Comment comprendre que je ne vous dis la police nationale, je n'ai moyen pour réprimer le monde, ça pour revendiquer pour salaire, pour être capable de meilleur traitement par rapport à l'inflation que nous constatons qui vient, analyse qu'on soit fait à la crête, ou bien chiffre, pour que la police nationale trouve une situation. Bay moun yo gaz, bay yo coup de bâton au point où en femme enceinte, on femme enceinte mourit sur le champ. Et vous pas attendez, notre parole police nationale là qui excusez auprès de famille moun sa, vous imaginez que c'est maman Joseph Lambert ou bien maman Campagne ou bien maman Ariel Henry et vous attendez au fond blaze avec bagage là, mais comme moun nan lui-même. Son pauvre malheureux qui sans nom, qui pas de famille, parce que son couidam, et puis on le traite n'importe comment, ça révolte. Son assassinat, je veux dire, mon jeune garçon qui a passé, et puis moi, policier a tiré à l'émission dans le et planté Michon calotte, au point où l'autre policier qui en face, a obligé de venir voir Michel pour lui dire, je suis certain que le dit Michel, ah non, je n'ai pas fait ça. Ça ne peut pas se faire. Peut-être qui ta policier ça. Moi, son bon policier, un policier qui va être à l'autre là. Après, je vais Michel, quoi des bouquets pour résoudre le problème. Moi, Michel en forme, Michel solide. Et puis, je vais Michel et Martissant pour me voir le grand ravine. Moi, Michel solide pour contrer là. Michel capable
résoudre le problème qui gagne là en bas. Parce que dans pourri, il y a force sous mon ennemi. Le problème que vous revendiquez là, je veux dire, c'est un problème national que lui. Parce que même les gens qui travaillent, je veux dire, qui sont fonctionnaires de l'État, si on a justement pas l'air parfait pour eux, ils ont crevé tout. Vous êtes qui ça? Parce que le loyer, on nous imagine que le loyer a arrêté même. Mais coût de transport pour mettre gaz, ou bien en belle colacaille, ou bien pour mettre une machine. Ah mais pour appuyer élevé. Et là, ça a coûté là, là, on mettait gaz pour nous obligé de multiplier par un point à part 126. 126% d'augmentation, c'est beaucoup. Et presque tout produit première nécessité, je ne veux dire, une pichet. Parce que ils ont effet domino. Parce que n'est qu'à mettre gaz dans le camion, dans tout, qui pour porter marchandises à sortir en dehors, qui pour prendre risque, traverser quoi des bouquets, ou bien traverser et 400 Marozo, traverser Matissan et autres, etc. Eh bien, ils vont coup. La vie avait une pichette. Alors, sénateur, salaire nécessaire pour tout le monde. Même très bien. Pour sénateur, s'il vous plaît, et rappelez pour nous, puisque vous connaissez que vous faites expérience dans le pouvoir, ça fait plusieurs années, qui ça a été fait pour KSS, la Conseil supérieur salaire, te gérer dossier ça et que vous n'avez pas fait? Et deuxièmement, est-ce qu'on a des regrets par rapport avec comportement dans le Parlement depuis date ou en bas et problème ça a venu péter là aujourd'hui hein? Est-ce que rappelez-nous qui ça a été fait et si on a des regrets par rapport à ça a été envie fait ou pas privé fait pour que nous capables comprendre mieux problème peuple aujourd'hui hein, que en pile monde a défendre constitution autonome que plusieurs Group moun voye moun nada. Ge patron. La voye moun. Ge exécutif la voye moun. Et c'est eux même. Bien joué, patron. Syndicat travailleur. Et puis exécutif là. À partir du moment que le conseil supérieur là. Et manque pas gain. Tout le monde. Avec dit que le conseil supérieur là. Handicapé, pas qu'à prendre. C'est patron. Qu'est-ce que vous décision? C'est syndicat. Très certainement. Bien syndicat ou baye moun yo. Qu'est-ce que vous prenez décision? Exécutif là? Vous aussi exécutif pas voyer mon nez. Bon, comment pour décision faire prendre? Alors que le Conseil supérieur salaire là, il y a même obligation pour que à chaque fois, chaque année, pour l'évaluer et si possible, reviser salaire employé dans sous-prétention. C'est clair. Ça veut dire que là, structure a existé. Mais c'est structure là pour opérationnel, et pour l'opérationnel, c'est parlement, et pas parlement. Ça, c'est, ça, parce que parlement parle pour le voyer moun, lui-même, dans le supérieur de salaire. Mm-hmm. Et c'est ça quoi, ouais, sénateur Kato, qui fait toute une bataille, dans le dernier, dans le temps par là en bas, que Mounio finalement, il y a un ajustement. Sous en pile pression, parce qu'on toujours joint le secteur privé, qui n'a même pas chambré d'accord pour augmenter le salaire. Et puis, où joint de côté, le sénateur Steven Benoît, que le moi-même était sénateur, que j'ai supporté sérieusement en ta question, le député, non, sénateur, et puis qui t'a supporté sérieusement dans l'initiative que tu prends, et m'a même metté comme membre commission affaires sociales pour t'aider. Avec sénateur Steven Benoît? Sénateur Steven Benoît. Ok. Sénateur Lambert, ça n'a aucun regret par rapport à ça. Ok. C'est que je me sens sidéré, je me sens révolté de par l'attitude de plus d'un dans le Conseil supérieur salaire là, qui pourquoi qu'a prononcé même bancal de son État. Eh bien, c'est fait invitation semaine dernière là pour le ministre des Affaires sociales pour nous être capable d'être anticipé. C'est un panique parce que en révolte là, c'est qu'il a soufflé déjà dans le Nord-Est. Et voilà que le ministre des Affaires sociales nous a gentiment adressé une correspondance pour nous dire qu'il a reçu, qu'il a lu l'invitation un peu tardivement et qu'il n'est pas capable de faire ça et qu'il mettait à la disposition Sénat pour l'autre là qu'il pensait que c'était capi important. Et puis ensuite, tout de suite, l'obéit pété. L'obéit pété. Maintenant, plus que jamais, on sera forcé d'inviter le ministre des Affaires sociales
pour avoir une idée de la situation, parce que le sénateur ou les sénateurs ne peuvent pas, à travers Outio, prendre information pour qu'on ait si le Conseil supérieur salaire a monté, si le Conseil supérieur salaire n'a pas monté. Mais sénateur, sénateur, mon petit Jean gêné, oui, sénateur, mon petit Jean gêné, parce que problème question salaire là, c'est un problème qui est tellement important pour que nous t'ajouions une solution. Et moi, ou dit que tu as un sénateur Kato, tu as un sénateur Steven Benoit qui te gon bataille ou t'as fait. Comme si, je ne sais pas si le Parlement, le Sénat haïtien, moi ou si tu non quelques grands monde, ça qui passe. Bah, ça a l'air là, quand tu as un comme si l'argent a peuple, ça qui passe. Ou pas senti ballonti, je ne pas clair. Non, non, ni clair, pour qui ça? Parce que généralement, tout le monde sait. Non, parce que bataille, t'as bataille Parlement, t'as bataille Sénat. Non, c'est le bataille, c'est pas bataille du Parlement, parce qu'en dernier ressort, c'est le Parlement qui doit voter. Mais étant donné que dans le Parlement, il y a des commissions permanentes, les commissions, ça a été présidé par des sénateurs, généralement, c'est le sénateur qui préside en commission, c'est lui-même qui doit au devant de la scène. Tout comme aujourd'hui, je suis le président du Sénat. Je suis obligé d'être au devant de la scène et je parle au nom du Sénat, au nom des sénateurs. Bon, mais bon, de toute manière, sénateur, et puisque elle a avancé et l'émission a pas avancé, sénateur, étant donné que le NAP fait un tchaka, faut que nous sommes capables d'utiliser viande, maïs, ou comprendre poids ou ensemble de bah, et de toute manière, poids, ensemble poids de. Rouge, vous mettez, poids rouge. Exactement, pour rouge. Mais maintenant, comme il faut que nous résoudre le problème dans la crise qui vient là, et il faut que nous jouions des solutions. Comment avancer avec Assisio, secteur à rencontrer, qui difficulté que vous rencontrez et qui espoir qui gagne? Bon, pour l'instant, on a dit que pas gagné de grosses difficultés. Mais on connaît, on vient de dire de grosses difficultés. Parce que ce qui est important dans Assisio, c'est que nous ne pouvons pas faire. On assise pour le sénateur. Ce n'est pas on assise après tout pour nous faire on l'autre assise sans que nous fassions un résultat. Et l'une des choses qui est importante et que nous devons attirer l'attention sur lui, c'est que nous avons des secteurs, détenteurs ou bien en possession d'accords, qui ont même déjà manifesté un certain désir pour participer dans l'assise. Nous sommes capables de citer un exemple, le Montana, nous avons cité Penn. Nous avons cité Accor Louisiane, nous avons cité signataire Accor 11 septembre, ANN, le groupe fait partie politique, et plusieurs autres monde encore, l'autre groupe encore qui en dans 11 septembre manifesté des IO. Et il y a des groupes, ça comme sorti tout là, c'est formellement écrit Sénat. ANN écrit formellement Sénat. Nous avons Montana qui écrit Sénat formellement. Penn, même gens. Nous gagnons Louisiane, même gens. Mais il n'y a pas que ces acteurs. Ces acteurs, c'est eux-mêmes qui détenteurs d'un port, d'un accord. C'est eux-mêmes qui, dans le premier temps, gagnent pour parler entre eux. C'est les protagonistes. Avec, bien sûr, nous-mêmes, nous, ouais, je ne veux dire, plus gros chaîne, moi, c'est qui ça? C'est l'invitation qui t'a dû aller joindre le premier ministériel. Comment, je ne veux dire, comme premier ministériel? Parce qu'on a encore qu'on ne s'est pas fait seulement avec Folio. Les trois pouvoirs doivent s'impliquer. Je veux parler du Sénat, du CSPJ et de la primature. C'est-à-dire à travers, bien sûr, le premier ministériel ou son représentant. Mais la réalité, c'est que nous entreprenons des marches avec le CSPJ et pour nous faire CSPJ part de projet comme pouvoir à part entière. Et le CSPJ lui-même, c'est by position parle. Et à partir de position parle là, il y a des réactions qui viennent beaucoup d'autres groupes autour qui adressent correspondance tout bas CSPJ et qui demandent CSPJ impliqué. Nous attendons la confirmation ou bien le niveau d'implication du CSPJ qui veut toujours prendre un certain recul en tant que pouvoir judiciaire pour citer à Vingon différent devant, pour ne pas obliger à la fois juge et parti. On comprend aussi la position du CSPJ. Le premier ministre Ariel, donc, pour qu'on comprenne, nous avons une gêne. Gêne que nous avons, comment discuter avec un premier ministre qui a non ni mélangé dans toute l'obéita. C'est là notre gêne. Mais sénateur, moi, protocole d'entente nationale, peine,
moi le mandé non note de presse et note ça pour tes signatures et maître Jean-Renel Senatus, Antoine Rodon bien-aimé, Serge Jean-Louis, Marie-Claude Denise et sénateur Yves La Tortue, côté que mandé pour Sénat contraine et Ariel Henry pour ta river paraître devant la justice répondre ensemble de questions pour nous débloquer crise là, même si me connais qu'on pas capable toute stratégie et n'a réfléchi au niveau Sénat. Ah, on connaît, moi-même, bon, réponse dans les politiques surtout. Ça, c'est une garantie. C'est que réponse qui politique qui est plus facile là, oui. Ouais. Ah, mais politique, c'est une bonne réponse là, ma bonne réponse qui est plus facile là. Mm-hmm. Bon, Sénat, il faut qu'on prenne connaissance de correspondance là. C'est la première réponse là, qui est facile. Ou bien, t'as qu'à bon deuxième réponse qui est plus facile là. Mm-hmm. Sénat, il faut qu'on mette question ça en débat au niveau des sénateurs. Ok. Ok. Et puis là, ça a tout là, je t'avais estivé question. Mais la réalité, c'est que, dans une situation, je ne crois pas que le Sénat a besoin de contraindre le premier ministre Ariel à aller devant la justice. Le premier ministre Ariel doit être conscient que dans l'état actuel des choses, sa situation se complique de plus en plus. Et comme situation est compliquée de plus en plus, pour renforcer les institutions nationales, permettre de redresser les colonnes vertébrales, qui te frontier pour faciliter les la tâche. Allez au moins ou même devant la justice. Moi, là, je dis mon bagage de moins. Et puis, bagaille là devant le cabinet d'instruction. Vous ne pouvez pas continuer à me faire moi-même. Moi, démissionner provisoirement comme président Sénat et demander de lever l'immunité, moi, et puis m'aller devant le juge d'instruction comme cinq citoyens. Son façon pour si Kounia là, ligue des preuves à table contre moi, si pour le Kembe, pour tout Kembe. Mm-hmm. C'est exactement. Mais c'est qui ça tout le monde qui dans l'État n'a pas un niveau d'élégance, Joseph Lambert. Ça veut continuer fort tout. Non, sans ça. Mm-hmm. Et pas narcissique, non, il n'y a pas Diolex, peut-être que m'a fait. Oui, oui. Mais dans l'élection, je suis perdu dans l'élection. J'ai le courage pour me dire, monsieur, m'accepter, je suis perdu. Mm-hmm. De la même façon. De la même façon. Pourquoi pas être facile, non? Oui, non, c'est pas moi. Généralement, oui. Et puis, 9 mois après, moi j'ai un premier tour. Alors que je suis perdu devant deux autres sénateurs. Alors, c'est pas pour nous accepter que dans la vie politique, mm-hmm. vie politique, là, il fait avec des hauts, il fait avec des bas. Mm-hmm. Mais tout est en complication quelconque, qui demande une clarification pour la société, pour toi-même, pour mon famille, pour mes amis. Pas mettre dans une situation embarrassante parce que je suis certain et presque certain qu'au moment où je vous parle, je suis certain que le monde qui signe un accord le 11 septembre, le monde est mal à l'aise. Mm-hmm. Je suis mal à l'aise parce que je suis un aide qui n'a mis temps, qui ne sent pas, qui sent mauvais. Okay. De la même façon, mm-hmm. c'est le monde qui n'a pas le pouvoir exécutif la journée aujourd'hui. Je connais des gens qui n'ont pas le pouvoir exécutif là, c'est des aides qui de moralité qui pas prêté à équivoque. Mm-hmm. Je ne dis pas, je suis certain qu'ils ont embarrassé. Okay. Pour camper derrière un premier ministre qui va faire un discours en tant que ministre. Et puis on connaît sous premier ministre ça, non, Dolly, qui marqué ah, mon cher, ou suspect. Ok. Sénateur Lambert. Ou toujours dans la peine, non? Je ne suis pas membre du PEN. Okay. Je voulais que tout le monde connaisse ça. Mm-hmm. Le PEN avait soutenu une résolution du Sénat. Et par conséquent, ça donne l'impression et que moi parais au monde qui plus proche PEN que l'autre. Ah, ok, mais, ok. Ok, ok. Mais c'est pas que PEN supporte en résolution Sénat. Qui lui même demandé pour Lambert président. Mon résolution Sénat, qui joue un jour d'IA, tombé. Ça ne tient plus. Ah, d'accord. Ok. Ok. Ça ne tient plus. Okay. Mais qui j'en ou pas gen nouvelle et nouveau président élu dans Montana Fritz Alphonse Jean et puis nouveau premier ministre élu Steven Benoit comment travail ou a fait y a avancé? Bon pour moi même dans Montana y a pas avancé parce que si je dis y a capable des monde qui t'a fait jouer de que premier ministre t'a dit et puis des monde qui a caché dans hôtel pour nommer monde moi même je pense peut-être si, comme premier ministre, je vous dis, c'est eux-mêmes encore que l'invité, avec le premier ministre à entrer dans cette terre, parce que vous jetez terre, pas pour moi. Par conséquent, le premier ministre peut-être doit entrer dans cette terre, parce que
y a des notes qui sortent à travers les réseaux sociaux qui fait connaître que c'est dans l'hôtel qui a caché tout en 2004 pour le Conseil des Sages pour être capable de désigner Gérald Latortue Premier ministre. Et il fait partie de mon Conseil des Sages. Dans 7 membres Conseil des Sages, il était là, en dans l'hôtel là. Je ne vais pas le bailler non pour ne pas déranger le trop. Mais on connaît, depuis 87 ans ensemble avec lui, on a bouilli à terre là. Okay. Vous comprenez? Ça veut dire que nous avons une note. Donc, mais pour l'instant. La réalité, oui. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, moi-même, je pense peut-être, mais estimé, si moi-même, j'ai eu une chance pour me parler avec mon sur la réunion, ça, je demande pour faire accompagner de Steven Benoît et de. Président Fils Alphonse Jean. Si ça parlait, ensemble avec monsieur. Ou pas parce que ça te pose problème. Au moins si vous êtes allé avec le président. Puisque vous pouvez ministre déjà qui c'est Ariel Henry. Oh, mais c'est mon Steven prie parce que Alphonse Jean. Alphonse Jean pour continuer lui-même sous terre. C'est vrai? Alors, vaut mieux que le vigne avec Steven. Ah, monsieur, vous comptez? Bon, mais c'est lui-même qui est désigné par Montana. Alors que même pas attendre aucun autre président encore, pour l'instant. Qui parlait dans le pays, que on sait que tu es désigné. Et après, alors qu'il y a le premier ministre Ariel qui est en France, et il y a Steven qui est désigné par Montana. Donc, et automatiquement. Je l'aime bien, mon Steven. Automatiquement, Fritz Jean t'est élu. Et Joseph Essens Jean, lui, il est tout tombé, il n'est pas président encore lui-même. Bon, de fait. Moi, je ne veux pas même parler de mécènes, même dans mes chers. Dans les nègres, mais ton petit bagage, il y a une cathédrale. Bon, dans les consens, même qui est les moins qui sont dans SDP, elle dit, mon cher Baye, ça dépasse mes chènes. Mes chènes, parce que même les Baye, nous sommes balis, Baye, ça dépasse mes chènes. On dépasse le coup, il y a la fuite, j'ai ramassé. Fuite, j'ai plus jeune. Monsieur, il y a plus énergie. Et notre réponse à vous, c'est mettre. Non. Avec équipe, tout ensemble d'équipe, je préfère pas parler. Mon cher, je préfère me filer à l'anglais. Ok. Bon, on ne peut pas y avoir problème normalement. Donc, jusqu'à présent, nous pensons que Sénat, lui-même là, lui a supporté. Qui groupe dans le groupe Ariel ou bien groupe Montana qui en fait gagne un président avec tout le premier ministre? Ou bien Sénat, li non l'autre logique. Quand est lié nous-mêmes? Sénat n'a pas supporté personne. Sénat a gagné un seul dénominateur commun qui c'est Haïti, qui c'est peuple, qui c'est petit machin qui n'a pas à vendre manqué. C'est l'insécurité qui vient dans le pays. Et c'est nécessité pour que vous parlez avec tout le monde, que vous les gangs, que vous les ceci, que vous les Sénat, pour mettre calme et tranquillité dans le pays. Sénat a gagné aucun a priori sur X. Question Sénat voulait rester comme une institution au-dessus de la mêlée et permettre aux acteurs politiques, aux pôles politiques, aux amis de la société civile, aux amis universitaires, aux amis des droits humains, eh bien, de faire œuvre qui vaille en répondant positivement à l'appel lancé par l'Église catholique, l'Église protestante et le culte vaudou et autres, etc. Pour que définitivement nous jouions une solution à problème ça qui a rongé nation. Il est temps que nous fassions un geste. Et son geste que l'histoire a retenu. La postérité a bien pour un hommage à nous-mêmes. Et c'est le moment. Allô? Oui. Oui, sénateur. Eh bien, merci un peu, sénateur, parce que tu as accepté d'échanger avec nous. Donc, nous, question à Montana, là, il est compliqué. Merci beaucoup. Et nos amis de la diaspora, eh bien, même lorsque ils sont même de l'autre bord, pas bien de Haïti, pas bien de Haïtiens, que Haïtiens de l'autre bord, que Haïtiens ici, nous tous sommes Haïtiens, nous tous concernés, il faut que nous tous impliqués, et la jeunesse, il faut que nous impliqués, les paysans, il faut que nous impliqués, tout le monde, il faut que nous impliqués. Attendez, pour qu'on s'en suive ça. Bien. Merci en pile, sénateur Lambert. Donc, mesdames, messieurs, nous t'avons...